C'est une très belle ambiance, très festive, très, très sang et or, très rouge et jaune, n'est-ce pas? C'est les couleurs de l'Espagne que nous célébrons aujourd'hui en raison de ce projet de loi que le Parlement espagnol va bientôt voter et qui va vraiment être un grand moment du combat pro-vie pour toute l'Europe, en Espagne évidemment, mais aussi pour la France et les autres pays. C'est vraiment une grande joie, une grande surprise que nos frères espagnols nous ont donné cette année. Et vous pensez qu'on peut espérer quelque chose? Ah ben, il faut toujours espérer. Oui. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus un an, bien sûr qu'il faut espérer. Mais il faut se battre, encore une fois, oui. Rien ne se tient sans la bataille. Oui. La bataille est à la fois spirituelle, elle est politique, elle est aussi dans les rues. C'est pourquoi tout le monde aujourd'hui marche pour la vie à Paris.